Maintenant, j'ai accès aux emails de John. So, je vais aller voir si le système a envoyé un email. Je vais y trouver deux emails en principe. Le premier email concerne la request de l'enregistrement. Ça se trouve bien sûr en anglais. Ici, le système demande or informe John que il a fait. Le système a bien reçu la request d'ouvrir un compte. Okay? Si j'ouvre ça, vous verrez c'est que le système a bien écrit, ça se trouve en français. Okay. Le deuxième message est très important, c'est le système informe John qu'il a fait un enregistrement d'ouvrir un compte sur le site Elcop. Maintenant, le système lui informe que John doit cliquer sur le lien, ici en bleu, avant l'expiration du lien qui va s'expirer dans 24 heures. So, maintenant, John doit cliquer sur ce lien pour que ils peuvent commencer à utiliser la plateforme. Maintenant, John va terminer le processus d'enregistrement en cliquant sur le lien qui a été donné. Comme vous pouvez le voir, ce lien va s'expirer dans 24 heures. Et le message a été envoyé aujourd'hui. So, je clique sur le lien. Maintenant, vous voyez que le système ouvre une page qui va demander John de donner un mot de passe. Et vous pouvez voir que le nom d'utilisateur est donné, John Casovio. C'est le prénom et le nom qui sont combinés. Mais pour le mettre un peu simple, on va garder le premier, la première lettre du prénom avec avec le nom. Okay? C'est G Casovio. Et puis le mot de passe, le système veut que Casovio give un mot de passe. Je vais le donner. OK. Et le système dit que le mot de passe est très fort. Je fais la même chose. La même chose ici. Vous voyez que le système, si les deux mots de passe se ressemblent, le système va accepter. Sinon, le système va me dire que les deux mots de passe ne se ressemblent pas, il faut recommencer. OK? Voilà, une erreur est survenue lors du traitement, il faut vérifier. OK. Si je vérifie, je crois que le problème se trouve si le deuxième mot de passe que j'ai écrit, il faut que ce soit le même mot de passe. OK. Espérons que c'est correct maintenant. Non, c'est pas correct. Je crois que j'ai oublié de mettre quelque chose là. Envoyer. Voilà. Maintenant, c'est correct. OK. Maintenant, le système on dit que votre nouveau mot de passe a été enregistré. Ensemble des rubriques du profil requises. Tout est parfait maintenant. Maintenant, vous pouvez voir que John a un compte et que John se trouve déjà dans le système. OK? Après, nous allons voir comment commencer à utiliser le système, surtout comment traduire les messages qui sont dans une langue que je ne comprends pas dans
une langue que je comprends, parce que ça, c'est vraiment quelque chose de très important pour cette plateforme. Merci.